Ouais, vous prenez des pré-workouts, ça veut dire que vous savez pas vous entraîner sans, machin truc, tout ça. Je défie Avenir de Road to Saiyan à qui passera les 260 en premier. Ok, salut les gars, bienvenue dans le Bifort. Un Bifort malheureusement sans le double A, sans Arthur Alain. C'est pas grave, on va faire sans. On va quand même prendre du booster, on va quand même faire tout ce qu'il faut. Malheureusement, sans Monster, bah, ça va être un Bifort compliqué hein, aujourd'hui. Sans Monster, mais forcément, hop, petite Rockstar quand même, ça fait le taf. Un peu de caféine avant d'envoyer forcément une bonne séance. Caféine, DMA, on connaît, hein, toujours la même chose. Donc aujourd'hui, ça va être une petite séance, enfin une petite séance, ça va être une énorme séance jambes. C'est ma grosse séance jambes de la semaine, c'est la séance quadri. Vous l'avez pas vu normalement sur la chaîne, on avait plus ou moins mixé un peu déjà nos entraînements avec Arthur. Donc on avait mixé un peu le sien avec le mien. Là, c'est vraiment mon entraînement perso de ma séance quadri. Peut-être que je vais commencer par un petit peu de soulevé de terre sumo. Bah, vous savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est vraiment l'exercice que j'apprécie le plus. Bah, parce que c'est celui sur lequel j'arrive à le plus performer tout simplement. Donc je vais essayer de m'envoyer un peu sur du terre en sumo. D'aller chercher une single. Inch'Allah 220. 220, ce serait lourd en vrai, j'espère. 220, je les passe. Je les ai quasiment eu la dernière fois. Bon, on est parti là-dessus. C'est l'heure du Bifort. On pense à Arthur. On pense au double A qui ne peut pas s'entraîner en ce moment. Hop. Rockstar, je sais même plus ce que ça donne, mais je crois que c'est pas terrible. Ça passe. Ça passe. Mais les monsters, ça reste dans le cœur quand même. Ouais, on a reçu pas mal de commentaires nous conseillant beaucoup beaucoup de pré-workout, donc on a vraiment là on a commencé à faire une liste du nombre de pré-workout qu'on doit prendre, qu'on doit essayer en vidéo. Donc je pense que les épisodes meilleurs pré-workout, on a épisode 1, on a épisode 2, on a épisode 3 d'ailleurs, enfin c'est plus ou moins l'épisode 3, c'est le Centurion, et je pense qu'on va en avoir une dizaine qui vont arriver juste derrière quoi. Enfin, on en a plein à arriver encore, on n'a pas terminé d'essayer les pré-workout. Bon. Bah j'ai trop le seum. Putain, bah voilà, vous l'entendez. Vous l'entendez juste derrière pourquoi j'ai trop le seum. Je suis en train de me préparer un putain de café parce que j'ai laissé tous les pré-workouts du coup. Le Rocky, mes petits sachets de DMHA, de tout ça. Le Centurion, tout est chez Arthur. Donc j'ai absolument rien. J'ai rien à base de DMA avec moi. On dirait un putain de camé. J'ai pas ma DMA chez moi. Donc bah du coup, bah ça veut dire caféine. Caféine à fond. On va envoyer tout ça, ça pas d'excuses, hein, ça veut rien dire. Voilà. Pour ceux, ça sera un bon exemple. Pour ceux qui disent ouais, on a reçu un ou deux commentaires, il y en a qui ont dit ouais, vous prenez des pré-workouts, ça veut dire que vous savez pas vous entraîner sans, machin truc, tout ça. Les gars, on n'en prend que pour les vidéos déjà de 1. Toute la semaine, on s'entraîne, on fait nos meilleurs entraînements, on les fait. Enfin, moi en tout cas, mes meilleurs entraînements, je les fais. J'ai pas de DMA dans le sang, hein. Je prends un peu de caféine, beaucoup de caféine. Mais j'ai absolument aucun pré-workout, genre Centurion, tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça augmente pas significativement les performances, à vrai dire. C'est plus une question de mood et de concentration dans la séance. C'est peut-être sur la durée de la séance, t'arrives à rester concentré un peu plus longtemps, mais tes performances, ta force ne changent quasiment pas. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça ne l'est pas. Enfin bref, je me prends mon petit café, j'envoie tout ça et on est parti. Du coup, ça change pas. Je vais quand même essayer de faire du soulevé de terre. Let's go. Pré-workout du jour. Voilà, super Bifort. Le starter pack du mec qui va taper les jambes. Qui fait genre qui fait de la force, mais qui a une barre à 220 kilos soulevé de terre, donc c'est pas terrible. Et encore, on n'est même pas sûr. Bon, bref, allez, c'est parti. Let's go, music. Et on est parti. Purchase your tax today.
Ok, qu'est-ce que je disais? Fin de séance du coup, très bonne séance comme vous l'avez vu. Ça confirme absolument ce que j'ai dit donc en début de séance, c'est-à-dire que le fait de prendre un pré-workout avec ou sans DMA, ça n'a absolument aucune influence sur tes performances, notamment sur ta force. C'en était un exemple parfait aujourd'hui parce que j'ai passé la meilleure barre que j'ai jamais passée au soulevé de terre, 240. Complètement inattendu, je fais absolument pas de force en ce moment. J'ai juste tenté ça comme ça. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, mis à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai passé les 240 au soulevé de terre. Ce qui veut dire que j'ai à peu près, si vous suivez un peu Avner de Road to Saiyan, les mêmes performances que lui en ce moment sur le soulevé de terre. Sumo, même variante. On a rendu à peu près au même point. Vous l'avez vu également, j'ai testé juste pour rigoler les 260, ce qui n'a absolument pas passé. Bon, ça c'était sûr. Donc, je défie Avner de Road to Saiyan à qui passera les 260 en premier, sachant que je suis un peu plus léger que lui hein, quand même, et que je ne fais pas spécifiquement que de la force athlétique. Je fais plutôt du body, je vais rester plutôt dans cette optique-là, même si je vais essayer de perfer un peu plus sur le sumo en ce moment, parce que c'est un exercice que j'aime bien, sur lequel je suis pas mauvais, on va dire quoi. Donc voilà, je défie Avner de Road to Saiyan, le premier qui arrive à passer les 260. Et bah c'est un bon. Et puis voilà. Moi j'ai pas eu de coaching avec les champions de soulevé de terre et tout, mais bon, je fais comme je peux. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura un minimum inspiré, motivé, comme d'habitude. C'était pas une vidéo pré-workout, pas du tout, donc pas dans le thème de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est bien aussi, c'est bien de montrer qu'on est capable de faire des bonnes séances, comme je vous disais, sans pré-workout. Donc voilà, on vous revoit très vite, de toute façon, pour une autre vidéo avec Arthur. Les prochaines ne seront pas sans pré-workout, vous vous doutez bien. Et puis voilà, allez, à la prochaine.